Bonjour, je vous présente ces belles patates douces, un oignon, de la cive, de la farine. C'est pour faire notre recette d'aujourd'hui, donc des croustilles de patates douces. On le fait avec de la pomme de terre, mais je le fais aujourd'hui avec de la patate douce que je vais râper. Et après râper, je vais mélanger la pâte obtenue avec de la farine. Et ensuite, je vais frire. Voilà. Là, j'ai commencé à râper. Je vais continuer. Il n'y en a pas encore assez. Voilà. J'ai tout râpé, la patate douce. Donc, ici, c'est la farine. J'ai dilué avec de l'eau. L'oignon, j'ai râpé avec la cive. On va mélanger ça là-dedans. Voilà. Je vais prendre un autre récipient parce que si vous constatez bien, il y a beaucoup, beaucoup de patates et le liquide n'est pas assez. Donc, je vais faire juste une petite moitié. Voilà. J'ai divisé. On va mettre un peu de poivre et saler un tout petit peu. Laisser reposer un peu avant de monter les croustilles. Je laisse reposer pour que la marinade prenne. Ce petit mélange là, il doit bien prendre. La pomme de terre va absorber le jus que j'ai fait, enfin la farine que j'ai diluée à l'eau, poivrée et salée. Donc pour les monter, c'est simple. Soit vous faites avec la main ou avec la cuillère comme ça. Ou vous faites comme moi, avec la main, comme ça. Vous voyez? Vous faites des boules comme ça. Voilà. Vous faites des boules compactes. Et lorsque vous allez frire, ça va bien se resserrer. Parce qu'on a mis un peu de farine. On va le poser ici. Croustilles de patates douces, un oignon, 4 patates, 2 cives, du
du sel et du poivre. On râpe les patates douces, on mélange avec un peu de farine et d'eau. On fait des boules et on les frit. Voilà, likez, partagez, commentez. La recette sur Biluni Cuisine TV. Merci, à bientôt.